together now. What's your vision? Mise à jour logicielle. iMessons 2,04 gigaoctets. iMessons apporte des centaines de nouvelles fonctionnalités pour l'iPhone et l'iPad, notamment un tout nouvel App Store, un assistant Siri plus proactif et intelligent, des apps appareils photos et photos améliorées, et des technologies de réalité augmentée pour offrir des expériences immersives. Avec de puissantes fonctionnalités de travail multitâche inédites, l'arrivée de l'app fichier et de nouvelles façons d'utiliser l'Apple Pencil, iMessons est également la plus importante version publiée à se télécharger et installer. Mise à jour terminée. La mise à jour de votre iPhone a réussi. Il ne vous reste que quelques étapes à effectuer. Continuez. Bouton. Version 11.0, 15 à 5372A. Cette vidéo va vous montrer comment désinstaller cet iOS pour repasser à iOS 10. Merci de regarder cette vidéo. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à tout de suite pour la démo. Alors, première chose à faire, on va éteindre son iPhone. Éteindre, bouton. Éteindre, arrêt de l'iPhone. Alors, pour exécuter cette vidéo, on aura besoin du fichier IPSW, donc un fichier d'installation. Ici, on va travailler donc sur un iPhone 6 Plus. On va donc restaurer une version firmware barre oblique iOS iPhone 6 Plus. On a différents iOS à télécharger. Ici, ça sera pour iOS 10. Il faut absolument que vous allez chercher le bon firmware pour votre iPhone. Et on va tout de suite commencer le téléchargement. Télécharger, download, iPhone 6 Plus Wi-Fi firmware barre oblique iOS 10.3.3. Rien. Et ici, on va télécharger le 10.3.3. Téléchargement commencé. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, pour les possesseurs d'iPhone 6 Plus comme ici et en dessous, on va simplement appuyer, alors iPhone éteint, on va appuyer sur le bouton Home. On va le garder enfoncé et on va insérer notre câble tout en gardant le bouton Home enfoncé. Tac, on le garde enfoncé. Ici, l'iPhone démarre. Votre iPhone reste en écran noir. On n'a ni le câble, ni le logo iTunes qui apparaît. Un iPhone écran noir. Il fonctionne plus que sur votre PC ou sur votre Mac. iTunes vient de s'ouvrir et vous dit qu'il a détecté un iPhone en mode récupération. On va passer tout de suite au niveau de la restauration de notre iPhone. Attention, pour les possesseurs d'iPhone 7 et au-dessus, on appuiera sur le bouton volume bas. Voilà le message exact que vous allez avoir lorsque vous allez faire cette connexion un peu spéciale. L'iPhone a rencontré un problème nécessitant sa mise à jour ou sa restauration. Vous pouvez peut-être résoudre le problème en mettant à jour votre iPhone, ce qui vous permet de conserver vos réglages et votre contenu. Cependant, si la mise à jour ne résout pas le problème, vous devrez peut-être cliquer sur Restaurer, ce qui effacera tous les réglages et tout le contenu. Si vous avez sauvegardé l'iPhone sur cet ordinateur ou sur iCloud, vous serez invité à restaurer la sauvegarde sur l'iPhone. C'est ici que ça devient important. Au lieu de cliquer sur Restaurer, on va appuyer donc pour les possesseurs de Mac. On appuiera sur la touche CMD, commande, plus la touche MAJ qui est juste au-dessus de CTRL. Et pour les possesseurs de PC, on appuiera sur la touche ALT et MAJ. On va cliquer sur Restaurer tout en gardant nos deux touches enfoncées. On garde enfoncées nos deux touches et on clique sur Restaurer. Une fenêtre s'ouvre. Mon fichier que j'ai téléchargé et donc dans téléchargement. iPhone souligné 5.5 souligné 10.3.3 souligné 14G6. Je vais valider dessus. Instantanément, une fenêtre s'ouvre qui me dit: iTunes effacera et restaurera votre iPhone à la version iOS 10.3.3, puis vérifiera la restauration auprès d'Apple. Annuler. Restaurer. On restaure. Attente de l'iPhone. Vérification de la restauration de l'iPhone auprès d'Apple. Préparation du logiciel de l'iPhone pour la restauration. Comme vous pouvez voir ici, on a un iPhone avec sa barre qui s'est mise donc à charger pour la restauration de notre iPhone en 10.3.3. Restauration du logiciel de l'iPhone. Dernière étape. N'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires, à liker, à partager cette vidéo et pensez à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir de voir que des gens s'intéressent à notre travail et ça me fait moi extrêmement plaisir de vous partager mes vidéos. Donc pensez bien à vous abonner pour me montrer que j'ai pu vous aider, j'ai pu vous donner un coup de main sur cette vidéo. Merci à vous. Restauration du logiciel de l'iPhone. On peut voir ici la barre avancée. C'est vers la fin que ça met toujours un peu plus de temps.
ne jamais débrancher votre iPhone en cours de restauration. Vérification du logiciel de l'iPhone. Vérification de la restauration de l'iPhone. On est sur la dernière phase. Restauration du programme interne de l'iPhone. On est en train d'écraser iOS 11, les amis. Likez-moi cette vidéo si vous avez réussi à remettre votre iPhone en 10.3.3. Likez-moi cette vidéo un maximum. Votre iPhone redémarre après restauration des paramètres d'origine connectés. Il apparaîtra dans la fenêtre d'iTunes après le redémarrage. On est sur un redémarrage. Et là, on vient d'entendre la connexion de l'iPhone au Mac. Et nous voici avec un iPhone tout beau tout neuf, avec une version 10.3.3. Voilà donc, comme tout possesseur d'iPhone, à vous de jouer maintenant de remettre votre iPhone en place. On est donc sur la remise en place de l'iPhone avec les langues. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura servi. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager un maximum. Et à vous abonner. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!